Bonjour à tous! Eh oui! Je suis GLG et je vous souhaite. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne comme tous les jours. Tu vas comprendre pourquoi. Je souhaite... Comme tous les jours, pour cette accro quotidienne du lundi au vendredi, je vous rappelle, on parle film, série, télé, série... Alors, film... Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Film, série, télé, high-tech, news, les feux du marabout, etc., etc., du lundi au vendredi. Deux suppléments live le mardi et le jeudi avec des micro-lives, bien évidemment. Et euh, deux maxi-lives le samedi et le dimanche. On parlera peut-être d'ailleurs du micro-live de jeudi, puisqu'on m'a suggéré l'idée et je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc je vous parlerai de cette idée si je n'oublie pas, parce qu'on n'est pas à l'abri. Bon, pourquoi je rigole Parce que bonjour, dire bonjour le 8 mai. Est-ce que le 8 mai on a le droit de prendre un petit accent allemand Foui. <laughs> j'ai envie de te dire oui, j'ai envie de dire oui, mais fui En mode perdant, tu vois, envie de oui, oui. <laughs> bon, voilà, 8 mai, bien évidemment, la victoire de la guerre et tout. Donc, l'accent allemand est peut-être pas vraiment de rigueur, mais je suis désolé. On dira que c'est plutôt alsacien. Ah, voilà, que ça pourra bien marcher également. Allez, comme tous les jours, on remercie nos tipeurs grâce à qui l'aventure est plus belle, bien évidemment, mais surtout grâce à qui l'aventure fonctionne. On remerciera aujourd'hui Kurumi, Fadia et Seb Justilinium qui sont nos tipeurs d'hier. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure via un petit café sur Tipeee. Hein, Pourtant, pour c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tu soutiens l'aventure, comme ça, c'est tranquille. Et l'émission est, est auto-financée par vous. Elle est auto-financée, oui. Bah écoute, euh, par Toto lui-même. voilà. Et pour les plus généreux d'entre vous, vous et les mauvais perdants, bien évidemment, vous, vous avez un panier à 20 balles qui vous permet d'avoir 10 tickets de tombola et d'être sûr d'avoir un t-shirt. Voilà. Mais on en parlera de ça parce qu'il <laughs> y, y a de la peau de plague, bien évidemment. Voilà. Donc, on remercie nos tipeurs, nos utipeurs. Si vous n'avez pas de thune et que vous voulez quand même soutenir l'aventure, vous avez la possibilité sur Tipeee et sur YouTube de regarder des pubs. Ça rapporte pas beaucoup, genre 5 centimes à chaque fois, mais vous en faites 3 par jour, 15 centimes, tu te rends compte que sur 30 jours, fait quand même 4,50 euros. <laughs> c'est mieux que 2 balles. Donc je veux dire, c'est deux fois mieux que 2 balles. Deux fois, deux, fois, deux fois 25 mieux que deux balles. Bon, allez, on parle un petit peu de ma photo du jour, bien évidemment. C'est la photo qui m'a été envoyée par Jeanne, qui me dit « T'as vu ça ?» C'est un peu la photo qui tourne sur Internet. C'est que pendant l'épisode 4 de Game of Thrones, il y a un endroit où ils ont oublié d'enlever le mug Starbucks. Voilà, donc le mug à café. Bon, ça fait un peu, ça fait un peu placement de produit. Tout le monde va en parler, tout le monde va rire. C'est pour ça qu'apparemment... Céline mettait qu'il y a une interview, où ils, ils se demandait s'ils allaient pas ouvrir un Starbucks à, à Winterfield. Bon, enfin bon, c'était pour la blague. Si vous avez vu l'épisode, vous, vous avez, vous avez peut-être vu ou vous regarderez peut-être encore. Et vous ferez attention. S'il y en a, qu'on le time code, à savoir à quel moment ce mug apparaît sur la vidéo, qui n'hésite pas à le mettre en description en disant le time, le mug apparaît. Apparemment, c'est vers les 20 minutes, euh, ce que j'ai vu, mais je n'ai pas trouvé. Moi-même, vu que je veux pas regarder l'épisode pour trouver le mug avant d'avoir regardé l'épisode, Je regarde l'épisode d'abord et après je trouverai le mug. Nom de Dieu. Bon, les feux du maradou, bou, 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 plus qu'on en parle. Tiens, bon, hier, il y a eu le micro live qui le micro live qui bug. <laughs> bon, petit problème de, de computer, euh, voilà, ça chauffait un peu et en fait, ça laguait directement dans mon ordinateur quand je mettais la lecture et tout. Donc du coup, en upload, ce n'était pas mieux, bien évidemment. Alors, on m'a suggéré une, une remarque qui était plutôt intéressante, c'est que, bon, les mini live et les maxi live c'est pas mal. Les maxi live de samedi et dimanche ont plutôt bien marché. Le mini-live d'hier marchera peut-être bien également, comme on a fait de vidéo hier. Oh, 548, c'est pas mal. 700, 800 et tout. On m'a suggéré, en ventement, le jeudi de ne faire pas de thème, mais uniquement une FAQ. Et la FAQ pourrait être intéressante, un, parce que le nouveau Android s'appelle Android Q. Ça permet de placer le mot Q quand même deux fois dans une même phrase, sans aucune euh, arrière-pincée, bien évidemment bien qu'on aura tous pensé au cul, bien évidemment. Euh, faut que j'arrête de dire bien évidemment. Bien évidemment. Donc, euh, on m'a dit, pourquoi, on ferait pas plutôt, pourquoi tu ne ferais pas plutôt le jeudi une fac où il n'y aurait que des questions, où du coup, les membres... En fait, la fac pourrait être ouverte quand je prépare la vidéo, donc demain, par exemple. C'est-à-dire que je la prépare pour 21h30. Et dans ce cas, les gens qui auraient des questions intéressantes à poser pourraient déjà les poser dans l'espace le, chat. L'espace chat. Entre la chat et le cul, on ne va pas y arriver. Hein. Entre le chat... Et le cul. Alors, laisseraient leurs commentaires dans le chat qui serait ouvert s'ils ne peuvent pas venir le soir et ceux qui seraient là le soir reviendraient bien évidemment poser leurs questions et ça permettrait pendant 15 minutes de ne répondre qu'aux questions et de ne pas faire de sujet. J'ai trouvé la remarque plutôt intéressante, ça permettrait vraiment de faire une super fac, euh, une mini fac, <laughs> une mini super fac, ou voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est intéressant, éventuellement que le jeudi pourrait être dédié aux questions réponses, comme ça, comme ça, et samedi en, en maxi fac, et dimanche en maxi fac aussi, sur Pattaya, Thaïlande, etc., etc., euh, c'était tout, merci, <laughs> au revoir. Donc le micro live, bon, ça a bugué hier, je vais corriger ces problèmes, bien évidemment. Cela se ne reproduira plus avant la prochaine fois, forcément. Euh, je voulais faire la plaque <laughs> concernant. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé votre adresse concernant les t-shirts, vous êtes nombreux à avoir pris 20 balles de tickets, donc sur Tipeee, donc d'avoir droit à un t-shirt. Et quand je vous demandais votre nom, prénom, à adresse et numéro de téléphone, c'était euh, pseudo, non, c'est juste l'adresse, pas, pas de nom, pas de prénom. <laughs> <laughs> Limite le pseudo. Ça me fait piquer mag d'ailleurs aussi, il faut que je t'écrive aussi en disant et eh non, Kemag machin si je mets ça sur l'adresse, je mets ça sur le nom, il va jamais trouver le facteur, tu vois ce que je veux dire. Alors moi, je ne vous connais pas tous autant hein, pour déduire vos noms prénoms en fonction de vos pseudos. Et après vous dire « oui, mais alors si tu vas sur Tipeee, tu pourrais le retrouver. Oui, mais alors vous êtes quand même un peu nombreux là, s'il faut que je le fasse un par un, je préfère que vous m'envoyiez tout bien. Voilà. Comme si vous faites partie de ceux qui m'ont envoyé que leur pseudo, que leur adresse et pas de téléphone alors que c'était bien demandé dans l'annonce et eh bien vous êtes des gros vilains. Voilà. <laughs> L'insulte ultime de chez Ultime. Allez, je vous rappelle, tout ce mois-ci, vous pouvez participer à notre tombola et acheter des tickets, soit via le super chat actuellement, vu que cette émission est diffusée, est enregistrée l'après-midi, mais diffusée en live le soir par YouTube. Donc, chaque fois que tu fais un super chat de 2€, tu as droit à un ticket. Je te mettrai dans la liste, bien évidemment. Et éventuellement, sur Tipeee, tu peux le faire aussi. Alors ce mois-ci a gagné, il y a un Xiaomi Mi 9 qui est en France qui vous attend. Le mini drone, c'est bon, il est gagné, il faut que j'enlève. Je Une carte graphique P106, des t-shirts, des casquettes, des casques gaming, euh, des accessoires, des coques, des plein, 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 plein de merdouilles pour certains et de petits produits sympathiques. Vu que c'est euh, tu gagnes, donc quand tu gagnes, c'est bien. Bon, allez, aujourd'hui, on parlera des news du Aujourd'hui, allez, la petite vidéo du Humidigi A5 Pro qui m'a été envoyé ce matin pour aujourd'hui, donc ça va. Ils n'ont pas le feu au cul chez Humidigi. Humidigi A5 Pro qui continue un peu la déclinaison qu'on avait pu voir un petit peu sur le Humidigi F1, avec un Humidigi F1 qui était bien. Un Humidigi F1 Play qui te plaît Bien évidemment. Donc qui était mieux, qui avait une caméra à 48 millions de pixels et tout, c'était pas mal, et une batterie 5000. Là, la version A5, elle est un petit peu moins bien, mais elle est un petit peu moins chère aussi. Avec une caméra à 120 degrés Sony, apparemment. Alors, c'est celle qui est mieux qui est Sony. Et celle qui est du bas est à 120 degrés. Mais est-ce que celle d'en bas de 120 degrés elle est Sony? L'annonce est relativement ambiguë <laughs> et on ne saura pas trop. Bon, 4000 mAh, full HD, le même design. Si c'est qu'ils ont rajouté une caméra de 120 degrés en bas et tout. Bon, est-ce que ça va changer ta vie Non. Est-ce que Humidiji nous sort un smartphone par mois euh, Oui. <laughs> et, euh, pour moi, par mois. Et puis, alors, à la, à la question, c'est... Euh, on me posait la question en privé, on me dit, ouais, alors, euh, est-ce que tu as vu si tu tapais Humidiji dans, dans YouTube Alors, tu prends par exemple un nouveau téléphone, par exemple le MIDI F1Play, qui ne me connaît pas, hein, qui m'a jamais vu, j'ai pas logué mes comptes, et tu tapes Humidiji. Par exemple, sur euh, un n'importe quoi, tout, YouTube, sur un, un, un truc qui m'a jamais vu, tu tapes Humidigi. Eh bien, papa, il est quand même deuxième. Et ma nouvelle vidéo est quand même troisième. Et il y en a une en cinquième. <laughs> D'accord. Et euh, la, la deuxième vidéo a quand même fait ses 48 000 vues. Pas mal. Bon, celle d'aujourd'hui, 408 vues, c'est pas mal. Le Z2 Pro 45 000 vues. Putain, pas mal. Euh, après, j'ai quoi J'ai en bas, encore en bas, en bas, en bas. J'ai le Humidigi A3, 17 000 vues. Donc en fait, <laughs> en fait, quand je tapes Humidigi, je ressors souvent. Donc comme la marque est un petit peu, je vais pas dire en devenir, mais elle s'est fait sa place, elle a son trafic, elle a ses vues et tout. Donc du coup, bon, la vignette est très putaclic de cette vidéo-là, donc on devrait faire pas mal de vues, mais on arrive à faire en 50 000 vues quoi. Tu vois ce que je veux dire, sur la longue traîne. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Humidigi reviennent me voir et ne vont pas voir d'autres qui font peut-être beaucoup moins de vues. Après, c'est pas de ma faute, hein. je veux dire, j'ai découvert ça moi-même, euh, que c'était pour ça que Midiji revenait me voir à chaque fois. Euh, petite vidéo aujourd'hui également qui parlait du iPhone 11 Max. Bon, encore une fois, c'est simplement un mock-up. Mais par contre, le mock-up, enfin, un espèce de truc en image de synthèse. Mais putain, c'est beau, on y croirait. Regarde, et je veux dire, on croirait que c'est un vrai téléphone. C'est dingue. Euh, voilà. Donc, on reprend un peu toutes les rumeurs. Euh, trois caméras à l'arrière, un truc en vert et tout, euh, plutôt joli. Alors, la, la vignette faisait état d'une petite barre de notification sur le côté du, du téléphone et tout ce qui n'est pas possible, apparemment, techniquement. Mais bon, le téléphone, il sera bien, oui. Après, est-ce que ça va justifier le prix pharaonique qu'ils vont le vendre ça va être vraiment de plus en plus compliqué de justifier un téléphone beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres concurrents notamment chez Android. Tiens, puisqu'on parle de concurrents et puisqu'on parle de Android, Realme qui confirme l'ouverture et le lancement de la marque à Paris le vendredi 24 mai. Voilà Comme ça, ça gâche un petit peu le suspense. Je crois que j'ai mis, mis 24, voilà. Le 24 mai, il y aura donc bien le Realme 3 Pro. Il y a un event, donc il y aura évidemment tous les journalistes qui sont copains déjà avec Oppo, vous allez les trouver. Donc vous allez certainement découvrir ce Realme 3 Pro bien avant tout le monde. Bon, on laisse présager un écran 6,3 pouces, Gorilla Glass, hein, c'est un Ascend Dragon 710. Si je de RAM et tout. Enfin, un bon petit téléphone qui ne va pas être excessivement cher et qui pourrait quand même bien cartonner. Et surtout bien cartonner Oppo. Et dans l'idée bien cartonner euh, Real... Redmi, bien évidemment. Bon, il faudra attendre un petit peu de savoir un peu plus que ce téléphone. Puisque, bon, déjà le Realme 3 sortira en Europe. Par contre, là où on a des fuites sur Tina, donc peut-être que là, il sortira uniquement en Chine. Le Realme X et le Realme X Yos, Yos, jeune l'édition jeune, est beau. Avec des cheveux et tout, mais pas de barbe. Euh... <laughs> Pourquoi <laughs> alors euh, un écran 6,5 pouces AMOLED et tout euh, ça a l'air plutôt pas mal. Alors euh, 4Go de RAM, 64Go de ROM. Alors ça pourrait être pas excessivement cher que ça parce que je rappelle à la base le Realme c'est censé être la marque low cost, un petit peu euh, ou entrée de gamme ou pas cher de chez Oppo. Bon, enfin bon, quand on voit les bombasses qui nous sortent, une batterie 3180 mAh c'est pas mal. Caméra arrière 48 millions de pixels 16, 48 et 5 pas mal bon et euh, pour la, la configuration chine bon après il y a le, la version young et tout bon il faudra attendre vraiment cette marque realme est pleine de suspense et d'aventure est-ce que la marque reviendra vers moi comme elle avait été, été venue, venue vers moi il y a quelques temps et que disparu <laughs> J lui disparu j'ai lu cru las cru bon on verra ça plus tard pour l'instant il n'y a pas d'urgence il faudra attendre attend le 24 mai je veux dire on est déjà le 8 mai si on s'est pas pris les météorites sur la gueule d'ici là et eh ben il y aura bien le lancement du realme Pareil, qu'on va se prendre des météorites sur la gueule, euh, le truc solaire et tout là. Je veux dire, euh, voilà quoi. Soit euh, ça va tout tomber sur la gueule, soit, soit pas. Humidigy, euh, c'est bon, Realme, Apple, et bien évidemment, on ne pourra pas finir ces news sans Google qui nous propose deux de grosses news. Si vous avez regardé par exemple 01Net, au moins ce matin, le, le truc. Bon, le nouveau Android s'appellera Android Q. Cul comme, euh, comme concombre, bien évidemment, comme cheval, bien évidemment. Le... Ben oui, le cul du cheval. <laughs> C'était <'est> facile. <laughs> Bon, bon, apparemment, il présente deux nouveaux téléphones, le Pixel 3A et le Pixel 3A XL, qui sont des déclinaisons plastiques moins chères des 3, hein, Bon, et... Oui, ben bah voilà quoi. Bon, bah très bien, 3A, XL, machin et tout, je sais pas. <laughs> moi, je sais pas. J'ai je... l'impression que ça va pas si bien que ça, hein, parce que pour nous recycler des vieux machins, le même en moins cher, ça sera bien pour cette année et tout. Moi, je sais pas. Vous me direz ce que vous pensez, que, disons, Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais rester sur mes marques chinoises. Voilà, même si apparemment c'est les meilleurs en photophone, machin et tout, est-ce qu'ils ont besoin de réduire les coûts Est-ce que est qu'ils vont gagner à tous les coups Là est la question. Bon, allez, on parle un petit peu pour finir. Allez, on va finir ça. Allez, vite fait, là. on a fait trois blagues bidons déjà. Là, c'est bon, t'as ton, ton, ton quota de doses de, de blagues complètement euh, débiles <laughs> et indélébiles, bien évidemment, puisqu'elles sont inscrites dans ta mémoire et tu pourras pas les enlever. Ça, c'était fort. Bon, euh, présentation. Alors, Android, le Oukitel C13, qui est ma vidéo du jour. Donc, j'avais prévu pour aujourd'hui, euh, du jour, aujourd'hui, de ce jour. Bon, à Breland, il a fallu faire la vidéo du A5 parce que, ben, t'allais tomber ce matin en disant, oui, hey, alors, euh, voilà, le giveaway, le truc, il euh, faut que ça tombe aujourd'hui. Donc, bon, on l'a fait. Hein. On l'a mis en ligne, on l'a mis en ligne. Ce qui est étonnant, c'est que je suis mieux référencé que, fais voir, sur Digi, fais voir, humidigi, A5 Pro, fais voir s'il euh, y a de la vie ou pas. humidigi A5. Se trouve, je suis bien. Hein. <laughs> bravo, bravo. Bon, après, c'est vrai que là, je suis connecté sur mon deuxième compte, donc je me connais moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on voit que j'ai déjà vu un petit peu la vidéo. A5 Pro, A5 Pro, 5 Pro, Pro, mais je suis quand même bien. Vous me direz, tiens, chez vous, si euh, combien je suis? D'ailleurs, ah, bah, regardez la quotidienne qui est là aussi. Vous me direz, tiens, en tapant sur votre navigateur, en tapant Humidiji A5 Pro, combien je suis? Attends, je suis beaucoup. Attends, je suis, regarde, je suis 1.

<laughs> ben voilà Mais en Attendant, je suis premier. Vous me direz, tiens, si vous tapez Uniji à 5 Pro sur votre Google pour savoir si je suis proms ou pas. Après, si vous avez déjà vu la vidéo, en même temps, ça va un petit peu... Euh Flouer les, les stats. Bon, le Wukitel C13 Pro, donc là, bon, on n'en reparlera pas. sous euh, moins de 70 euros, voilà, quoi, c'est pas mal. La vidéo de notre euh, ami Kurumi, bien évidemment, pour vous présenter McAfee Total Protection. Alors, j'ai même pas regardé la vidéo, hein, je te cache pas. Elle n'est même pas lu, ni rien, ni machin, ni truc. Je la regarderai euh, plus tard euh, si j'ai pas envie. Ou peut-être pas. dans ce soir, il y a quand même Game of Thrones hein, ce soir, donc euh, c'est pas sûr que je la regarde. Bon, on parlera également. Alors. En vidéo à venir, je commence la review du MIDI f 1 Play. Il est pas mal en fait, hein, ce machin-là, euh, ce truc-là, avec sa batterie 5000 et tout. Il n'est pas super gros, mais il a quand même une batterie 5000, il tient bien en main, il est assez réactif. Je suis assez euh, pas mal. On verra encore une fois les photos, les vidéos, et puis l'usage sur une semaine. Ce que ça donne, pour l'instant, n'est pas gagné. Bon, je suis le reste, pour l'instant, pas de nouvelles. Donc au pire, j'aurai la, la Mi-box... S à tester, machin, version internationale. J'ai encore pas mal de trucs, hein. un par semaine, je les tiens tranquilles. Les films du week-end. Ah, tiens, il y a quoi euh, Attends, je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Ah, mais non, on est. Euh... Non, bah non, je te saurai demain. <laughs> je saurai demain. On est mercredi. Il est sorti cinéma, c'est jeudi. Euh, série télé, bien évidemment. Game of Thrones ce soir, saison 8, épisode 4 forcément, hein, pour voir un petit peu où est caché ce mug Starbucks, par exemple. Shanghai, pas grand chose. Smartphone chinois, il faut que je mette la vidéo du C13, mais je la mettrai peut-être demain. Je pense que ça peut attendre. Si vous avez des sujets ou des idées pour le live, par exemple, vu que je le demande à chaque fois et qu'il y en a, ils m'ont dit, ce serait bien que le jeudi, ce ne soit que des questions. Qu'il n'y ait pas de sujet à la con, soit juste une FAQ, où on puisse poser nos questions l'après-midi, puisqu'on ne peut pas être là. Et comme ça, le soir, si on est là, on peut poser nos questions, plus les arrêts de jeu, etc. etc. Donc du coup, les premières questions posées seront les premières questions qui vont gagner exemple. C'est une très très bonne suggestion et je pense que tu vas tu vas approuver. D'ailleurs, je vais mettre un sondage en haut, tiens. Maintenant que on va mettre un sondage en haut à droite là-bas, il y aura donc un petit sondage le jeudi, voilà, mini live euh, un sujet plus euh, fac ou euh, mini fac. Voilà, tu pourras choisir ou c'est je m'en fous. <laughs> comme tu veux. <laughs> et comme je veux, c'est comme vous voulez, bien évidemment. Voilà, ainsi se termine cette quotidienne du mercredi. Je vous remercie d'être passé, ça m'a fait plaisir, comme toujours. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas ce soir la petite prière pour prendre soin de vos proches. Vous pouvez m'inclure dedans, ça fait toujours plaisir. On finira comme à chaque fois par un petit paix et prospérité, un petit Dieu vous bénisse, un petit bénisse, bénisse, Dieu vous bénisse, non c'est ça ouais. Rien de... ça va ouais. <laughs> Prenez soin de vous, bonne soirée à tous, rendez-vous demain, si vous le voulez bien.